comment j'ai découvert que ma cliente a subi un viol. Écoutez bien l'histoire, mes amis. Donc, cette cliente, qui a plus de 30 ans, m'a contactée pour traiter un problème d'hyperpigmentation. Ça faisait 5 ans qu'elle essayait de traiter cette tache d'hyperpigmentation qui était bien localisée au niveau de son visage. Ni les dermatologues, ni les esthéticiennes rencontrées auparavant ont pu traiter ce problème d'hyperpigmentation. Elle m'a contactée, on a fait un premier traitement. Peeling, la peau à peler, on a eu un très bon résultat. Franchement, la tache a été énormément atténuée. Au bout de 2 mois, la cliente revient avec le même problème. La tache, elle est revenue au même niveau. Je me suis dit, oh, je me suis dit, non, 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 il y a un problème. Donc, du coup, je lui ai dit, écoutez, madame, là, je vais vous poser des questions. Vous avez eu un choc émotionnel parce que vu là où se trouve la tache était au niveau de sa bouche, au contour de sa bouche. Je lui ai dit, vous avez eu un choc émotionnel qui a fait que vous avez cette tache d'hyperpigmentation, madame. Parce que vu là où se trouve cette tache, c'est une zone au niveau de la bouche. C'est comme si on vous a empêché de dire quelque chose. Comme si vous avez subi un traumatisme, comme si vous avez une tristesse, comme si vous avez un blocage. On vous a empêché de dire quelque chose. Donc, ce qui fait que cette tache, elle ressort toujours au même endroit. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la cliente? Elle a fondu en larmes. Tout ça pour vous dire qu'il y a des problèmes de peau qui ne sont pas que physiques. Il y a des problèmes de peau qui sont d'ordre émotionnel, choc émotionnel, traumatisme. Ni le médecin, ni les professionnels de la peau, ni les esthéticiens peuvent traiter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je l'ai rassurée, je lui ai dit ce qu'elle devait faire. Je lui ai donné des conseils parce qu'on n'en avait jamais pas. En fait, on n'a vraiment jamais parlé à quelqu'un. Je lui ai donné des conseils et voilà. Et depuis, elle se sent mieux. Tout ça pour vous dire que beaucoup de problèmes de peau sont dus au mal-être. Donc, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en ai d'autres story time de la série story time cliente. On se dit à très bientôt. Like, partage, à très vite.